Les marques font de plus en plus appel à des sociétés externes pour mener leurs innovations parce qu'elles ont besoin d'accélérer leur capacité à exécuter. Le problème, ce n'est pas l'idée. L'idée, tout le monde peut en avoir. Le problème, c'est effectivement de réussir à les mettre en œuvre dans un contexte où ces marques et ces grandes entreprises ont déjà un métier. Elles ont déjà beaucoup de choses à faire et on leur demande en plus d'innover. Donc pour exécuter rapidement, il faut quoi ? Il faut de la méthode. Il faut des ressources et puis il faut effectivement la possibilité d'aller tester rapidement sur le marché sans forcément dire que vous vous appelez Danone, Saint-Gobain ou Air France par exemple. Donc pour mener ces phases d'expérimentation, ces phases de prototypage sur le marché, elles font appel à de nouveaux types de prestataires, des start-up studios par exemple, qui eux vont pouvoir les aider à prendre une idée, les emmener sur le marché, tester, et puis dans certains cas même, les emmener un cran plus loin, c'est-à-dire créer pour leur compte de vraies start-up qui pourront développer ces nouveaux concepts.